Alors, aujourd'hui, une vidéo sur la formation Sign Mount portage latéral. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur tech. Devenir plongeur recycleur. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation accélérée sur mesure à Marseille, parc national des Calanques, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech. Alors aujourd'hui, je voulais simplement vous parler de la configuration Sign Mount, hein, qui est une configuration qui date, hein, qui a été originellement adoptée par les Anglais, tout simplement qu'on appelle aussi en français portage latéral des bouteilles. C'est la configuration que j'utilise ici pendant l'université d'hiver en Martinique. J'ai choisi cette configuration tout simplement parce que j'ai un petit peu mal à l'épaule droite et donc j'ai décidé d'avoir un seul bloc au niveau latéral. Alors, l'avantage du Sign Mount, c'est bien sûr pas de bloc dans le dos, hein, donc ça ne vient pas vous casser le dos, et donc on a vraiment l'impression de flotter complètement, hein, la sensation est complètement différente. Comment ça se présente, hein, le gilet, ben je fais le tour comme ceci, de façon à ce que vous le voyez un petit peu, vous pouvez le voir aussi dans l'eau, hein, tous les gilets ont à peu près le même type de configuration, c'est-à-dire qu'on va avoir ici un inflateur, et le déflateur qui est ici, la purge, hein, qui est reliée ici par un mousqueton qu'on peut éventuellement détacher. Hein, pour rester près du corps, l'idée c'est de n'avoir rien qui dépasse. Hein, c'est pour ça que c'est une configuration qui est aussi très appréciée. Ici, vous voyez, j'ai un petit élastique, c'est tout simplement pour faire coller la wing près du corps. Hein, même chose pour des raisons d'hydrodynamisme dans l'eau. Et puis ici, là, vous le voyez, j'ai une purge à l'arrière qui permet, en relevant les fesses, hein, bien sûr, je ne vais pas vous faire la démonstration ici, vous la verriez dans l'eau, de purger le gilet progressivement. Donc, traditionnellement, c'est la configuration Sign Mount se fait avec deux bouteilles, hein, deux petites bouteilles, généralement de 7 litres. Après, ça peut être plus compliqué, bien sûr. Et puis là, moi, j'ai choisi, hein, pour les problèmes dont je vous ai parlé, d'avoir une S80. Hein, donc, autrement dit, une bouteille aluminium d'un peu moins de 12 litres. Et c'est très, très confortable. Voilà, donc bah, vous voyez l'image en fond sur cette formation Sign Mount. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous n'aimez pas, cliquez sur j'aime pas. Si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas à poster un commentaire sur cette vidéo avec, s'il vous plaît, une formule de politesse. Un petit bonjour, à bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie. Devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie.